Salut, il est exactement 7 heures-là. Allez, courage. Voilà, je m'apprête à aller à l'extérieur de la ville d'Édimbourg. Alors, quel genre de balade aujourd'hui? Eh bien, je vais te le dire dans un instant. Aujourd'hui, la balade va concerner un des petits points de la ville que Visit Scotland me permet de voir aujourd'hui. Caméra Obscura, que j'avais déjà fait et que j'avais bien aimé. Edinburgh Bus Tours, j'ai pas envie de faire du bus, sûrement pas. Le château d'Édimbourg, inévitable, hein, naturellement. La distillerie de gin, bouf. The Real Mary King's Close, je sais pas ce que c'est ça. Et l'expérience de whisky, que je risque d'apprécier, mais j'ai pas envie de me rendre malade à boire du whisky. Donc je ne sais pas trop. Cela dit, peut-être aujourd'hui ça va être caméra obscura, tiens. Je suis effectivement looké un petit peu à la... ou bien Freddy, les griffes de la nuit, ou alors Kurt Cobain. Alors je vous avouerai que là, de vous à moi, je préférais que ce soit Kurt Cobain plutôt que les griffes de la nuit. Mais comme les gens me connaissent, j'assemble toujours mes vêtements. Du rouge. Du rouge. Après cette petite intro très intéressante, hein, me diras-tu en commentaire naturellement, je m'apprête à aller lire les commentaires du premier vlog, qui je l'espère sont positifs, vu que moi ça me fait plaisir de revenir et je suis sûr que ça te fait plaisir aussi que je revienne. Alors attention, c'est juste un peu comme ça, hein, c'est pas non plus la fête à la... Hein, mais celui-là sortira sans doute un peu plus tôt, mettons 6 heures. Désolé pour les miniatures, je n'ai plus Photoshop. Allez, c'est parti. Et le ciel est très très bleu, comme hier, et ça c'est cool. Après, ouais, il fait quand même 4 degrés. Waouh, 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 waouh. Bonjour, vlog numéro 2. Château de Dinbri, sûrement visité peut-être demain, après-demain, là à la recherche de nourriture. En ce qui concerne là, tout de suite dans l'absolu, il y a qu'à l'heure, il est 11h40, mais le château, oui, sans doute la petite visite se fera demain ou après-demain, mais c'est très joli, hein. Ne me regardez pas, monsieur, c'est normal, regarde-moi ça, puis ce ciel là, qui a dit qu'il faisait pas beau en Angleterre? Voici l'école Georges Herriot, qui a inspiré J.K. Rowling pour Hogwarts. Voilà, on voit pas tout. Mais je veux dire, quand t'as cours là-dedans, tu peux que bien grandir. Thank you.
caméra obscure a fait. J'ai pas filmé beaucoup parce que j'avais déjà filmé et que c'est des illusions d'optique, hein, ça se filme pas des masses. Là, probablement bientôt un petit goûter qui se profile. The Elephant House, là où j'ai mangé là, la petite tartine, là, avec de la pomme et du chutney de mangue. Mais là, ce sera plutôt un chocolat chaud à la mangue. À méditer, mais pas maintenant. Il est 3h de l'après-midi. Je vais filmer le monsieur qui filme la cornemuse et puis je verrai le plan du jour. Mais il fait beau, il pleut pas, ça c'est trop bien, ça qu'il pleuve pas, c'est trop bien. Faut du souffle. Ça fait vraiment le vlog du touriste. C'est qu'il faut du souffle, hein. Un petit scone avec de la chantilly et de la strawberry jam et un chocolat chaud à l'After Eight. Bon, oh putain, il y a plein de petits trucs dans le bain. La fin du vlog 2. Rendez-vous demain. Probablement demain, on ira marcher du côté du Arthur Seat. Espérant qu'il fasse beau pour faire 2-3 photos. Merci d'être si nombreux à mettre des commentaires. Bisous aux copains du travail s'ils passent par là. Et bisous, bien sûr, à mes abonnés. À demain.